écoutez, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour filmer un retour de course du mois. Du coup, on filme le retour du course du mois. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai cette tête-là et comment ça se fait que je suis fatiguée à ce point et tout, vous aurez la réponse dans le vlog qui sort juste après, normalement. Voilà, tout simplement. Désolée pour les snaps, comme d'hab. Voilà. On a fait les courses, du coup, juste marché frais et Leclerc. On n'est pas passé par la Cazenove, pas par Naturéo, etc. On a fait au moins cher et au plus vite parce qu'en fait, du coup, on est parti vers 15h pour faire les courses avant le couvre-feu. Voilà, on a assez speedé avec Millie. On s'est bien débrouillé, on est rentré dans le budget. On est pour 240 euros de course, je crois, au total. Donc, c'est plutôt correct. Désolé, je regarde partout, je suis vraiment HS. Hein. Et du coup, voilà, on a pour tout ça. Je vous montre au fur et à mesure du coup le frais et tout ça. Je range patati patata, retour de course comme d'hab. Je sais que vous aimez bien ça. J'aime bien en faire, j'ai envie de le tourner et tout malgré la fatigue. Je m'excuse parce que du coup je suis pas maquillée ni rien. Mais c'est aussi ça la vraie vie, avoir cette tête. Donc voilà. Bref, c'est parti. Oui, vous allez me voir boire ça de temps en temps parce que je suis HS et que j'ai envie. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Là, il y a du frais et tout, mais il n'y a pas que du frais donc je. Voilà. Au marché frais, je trouvais pour 1,69€ des petits gâteaux comme ça. Ça ressemble un peu au Kinder Delice, genre de choses. Petite génoise fourrée enrobée de chocolat. Les garçons adorent ça. Et j'aime toujours avoir un ou deux paquets de gâteaux pour dépanner le mois, sachant que je fais quasiment tout maison. Et des fois, j'ai la flemme, comme tout le monde. Donc voilà, j'en ai pris un au chocolat et un tout choco et noix de coco. Voilà. Ensuite, j'ai refait un stock. J'ai refait un stock de pâtes feuilletées, j'ai repris 10 pâtes feuilletées, tout simplement parce que je les mets au congélateur et j'aime bien en avoir comme ça tout le long du mois. Allez, hop. Je m'en sers pour faire tout ce qui va être les tartes, les quiches. En fait, j'ai la flemme de faire des pâtes brisées ou de me faire chier clairement à faire une pâte feuilletée, parce que c'est très très chiant. Donc, je m'en sers pour ça, mais aussi pour faire des petits croissants, des petits feuilletés salés, des petits palmiers, des choses comme ça. Que ce soit pour les goûter du coup, les apéritifs, non plus poule. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire là? Elle est trop belle. Bref. Du coup, stock de pâte feuilletée. Ensuite, dans le frais, j'ai repris de la mâche et de la roquette. Ça, c'est pour si on fait des petits wraps ou tout simplement. Là, j'ai acheté du pain de mie, donc des sandwichs, des choses comme ça ou une salade. J'adore la roquette. Pour mon plaisir, je me suis repris deux briques de lait d'amande Alpro. C'est vraiment mon lait préféré pour les petits déjeuners et tout. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange. Et que je prenne le temps de reprendre des petits déj. Donc je me suis pris ça. Et en plaisir, je me suis pris une brique de café Alpro caramel soja. On les avait goûtés en petit format avec Millie. Ils sont très très bons. Il est fait en grand format maintenant. Donc je m'en suis pris un. Il n'y a pas de lait végétal dans ce retour de course parce que j'ai racheté de l'avoine. Parce que Doudou fait le lait d'avoine maison. Si la recette vous intéresse, j'essaierai de le filmer quand il le fait. Et je vous montrerai ça dans les vlogs. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, la dixième pâte feuilletée. Du coup, j'ai pris deux Monster comme ça. Il n'y avait pas la Monster sans sucre. Si vous me connaissez, vous savez que je jure que par la Monster sans sucre. Il n'y en avait pas, donc j'en ai pris deux comme ça pour dépanner en attendant parce que j'ai vraiment envie de boire de ces merdes-là. Voilà. Et pourtant, celles-là, je les trouve pas bonnes. Hein. Mais voilà. Après, j'ai repris la Sainte Margarine. Ma margarine préférée de tous les temps pour manger au petit déjeuner sur les tartines ou au goûter. C'est vraiment mon petit déj préféré, c'est des tartines avec de la margarine, que ce soit du pain de mie ou des biscottes. J'adore ça. Donc voilà. Pour pâtisser, j'ai repris du coup de la margarine et du coup j'ai repris de la Eco Plus et de la comme ça, tout simplement parce qu'il n'y en avait que deux là, donc j'en ai pris deux de chaque. Ça fera l'affaire. Ensuite, pour aider, je lui ai repris des petits Louis pour le mois. Voilà, il adore ça. Vous savez, si vous nous suivez, vous savez que Thésée ne jure que par les petits fromages. En fait, il n'aime pas ça, mais du coup, Thésée adore ça. J'ai également repris des vaches qui rient comme ça, Eco Plus. Voilà, il aime bien celle-ci. Voilà, voilà. J'ai repris 3 paquets de crème de soja, comme ça, bio. Déjà parce que c'est la moins chère, celle au rayon bio à Leclerc. Et elle est très très bien. Elle a moins de 2€ les 3 briquettes, alors qu'en général c'est 2,20€, 2,30€. Là c'est 1,86€ il me semble, donc c'est plutôt raisonnable. Sachant qu'avec ça je fais mes carbonara, je fais des quiches, je fais de la sauce fromagère vegan. C'est des pizzas, je m'en sers vraiment beaucoup. J'adore ça et j'ai des périodes où je vais plus cuisiner la sauce tomate pour Doudou et il y a des périodes où je vais me faire des curries, des choses comme ça et j'adore la crème donc voilà.
Ensuite, dans le rayon vegan bio, etc., je me suis repris une pâte à tartiner, une petite nocciolata. Voilà. Dans le rayon bio, toujours, on a repris 4 paquets de tofu nature bio, comme ça. Tout simplement, j'ai pas acheté de simili quasiment. J'ai pris que ça et du haché, je crois. Et du coup, bah, avec ça, je fais plein de choses. Je fais des petits lardons, je fais des petits tranches de tofu teriyaki, du tofu grillé avec plusieurs épices. Je fais mon tofu brouillé. Du coup, c'est un peu un incontournable. Source de protéines hyper simple, pas très chère. Donc, parfait. Et en plus, même les enfants adorent ça à la maison. Tout le monde aime le tofu, donc parfait. Et pour les enfants, pour leur faire plaisir, j'ai repris un lot comme ça de 4 petits flambis Eco Plus. J'ai également repris une table de chocolat noir extra 72% de cacao, comme ça, marque repère. Moi, j'adore la 70% de chez Lindt, la douce. Et là, les garçons, je pense qu'ils l'ont adoré aussi parce qu'ils nous ont fait la bêtise de fouiller dans le tiroir à chocolat et de manger 3-4 tablettes de chocolat complètes. Voilà, donc du coup j'en ai pris une, donc ça c'est pour Doudou, comme ça il est vegan celui-ci par défaut. Et Doudou aime bien le chocolat noir, autant il mange pas beaucoup de sucreries, puis il y a des fois un soir il va dire tiens j'ai envie d'un carré de chocolat, comme il y a 2 soirs et il n'y en avait plus. Donc j'en ai repris comme ça, il sera content. Ensuite Millie elle a acheté un lot de biscuits Björk comme ça, à la framboise, on avait goûté ceux à la myrtille ensemble, enfin elle les connaissait déjà mais elle m'avait fait goûter ceux à la myrtille qui étaient très bons. Là j'ai goûté ceux-là, du coup ça ressemble vraiment à ça. Et c'est très croustillant, c'est un goût très beurré, enfin, c'est franchement sympa. Vraiment, moi j'ai bien aimé, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à goûter. Également, j'ai repris 1 litre d'huile de colza. Je suis désolée pour les snaps. J'ai repris pour petit thésée des petites céréales comme ça à mettre dans le lait. Des fois, ils vont un biberon le soir. Et du coup, je mets un petit peu de céréales pour donner du goût avec un peu de miel. Et là, du coup, j'ai repris saveur biscuit pour changer. Désolée parce que dans le sac en carton, j'ai repris 4 bouteilles comme ça de confiture de tomates, pas du tout, de sauce tomate. Et 3 pots comme ça de compote de pommes pour faire les desserts. Hop hop hop. Ensuite là il y a le congelé. J'aurais dû commencer par ça mais j'ai pris dans l'ordre parce que je vous avoue que... De toute façon vu le temps qu'il fait dehors, vu que là actuellement il y a de la neige et tout, il fait moins je sais pas combien. Vous inquiétez pas, ça fait le temps de décongeler. Alors, j'ai repris des brocolis, et là ce mois-ci j'ai pris beaucoup de légumes congelés, simplement comme ça je suis sûre d'en avoir tout le mois. J'ai pas de légumes qui moisissent partout, quand j'ai la flemme et tout, c'est facile à faire, je décongèle, je les cuis vapeur et j'en fais ce que je veux, donc voilà. Et j'ai repris 2 brocolis parce que les garçons adorent ça et j'aime ça aussi. Je me suis repris également 2 paquets de julienne comme ça, de légumes, ça c'est vraiment parfait si vous aimez les nouilles sautées et tout. À chaque fois, moi, des fois, le midi, je me fais juste ça, genre un petit peu dans une poêle avec un peu de nouilles ou des pâtes, un petit peu de sauce soja. Très très bon, parfait. Hop. J'ai également repris des haricots verts, un incontournable. L'alarme du repas des enfants. Des petits pois. Des fèves, nous on adore ça. Du coup, j'ai pris 2 paquets de petits pois et 2 paquets de fèves. Savoir que dans le congélateur on était quasiment à sec au niveau des légumes congelés, donc j'en ai repris pas mal. J'ai repris des carottes parce que les carottes m'a hanté. À chaque fois que j'en achète, elles finissent par moisir dans le frigo parce que j'aime pas les couper, c'est chiant, faut les éplucher et tout. Donc là, le kilo il coûte pas cher, il est à moins d'un euro le kilo et c'est déjà prêt. Je peux les rajouter par exemple dans les lentilles, pour faire des lentilles préparées avec des oignons et tout. Je peux aussi les rajouter dans le cassoulet pour Paul, etc. Pour faire une blanquette, enfin plein de choses. Blanquette vegan, hein, ça paraît bizarre, mais c'est faisable. Du coup, bref, ça sert, c'est pratique. Les haricots verts, du coup, 2 paquets, parce que les haricots verts, ça se mange quand même vachement facilement avec tout. J'ai repris également des poireaux, et ça, c'est pour faire de la fondue de poireaux, de la quiche aux poireaux pour Doudou. Pareil, la flemme d'éplucher de couper les poireaux, donc voilà. Également pour Doudou, des épinards. J'en achète pas souvent, mais lui, il aime bien en avoir de temps en temps à la maison. Je lui cuisine avec de la crème de soja et il aime bien ça. Le deuxième paquet de julienne. Et après, 2 paquets de pommes de terre noisettes. Ainsi que 2 printanières de légumes comme ça. Donc c'est avec les petites patates, les haricots, les petits pois, les carottes et les oignons. Ça c'est pour Doudou quand je sais que je vais pas avoir trop le temps et tout, ou que j'ai la flemme. Je lui mets ça avec un bouillon marmite, vous savez, un petit bouillon cube ou du marmite dans une poêle et tout, à cuire tout doucement. Et voilà, je lui accompagne ça, je rajoute quand même quelques féculents et tout. Et c'est bien pour lui. Et les garçons ils aiment beaucoup ça aussi avec les petites patates, donc
poilée de la feignasse, tout simplement. Je vais ranger ça et je vous reprends pour la suite. Re-coucou, je vous retrouve avec mon petit doudou. Je lui montre juste deux secondes, deux, trois trucs. Comme ça, il est mis au congélateur et hop, hop, on en parle. J'ai repris des sticks de mozzarella comme ça pour manger avec Millie ou avec Dora ou peu importe. C'est pratique. Oui. J'ai également trouvé ça, une poêlée asiatique à la sauce soja, c'est vegan par défaut et en plus là elle était en promotion moins vendue que sur la carte. Je dis que ça pourrait t'intéresser. Pour Doudou également, j'ai repris ça, des champignons de Paris, comme ça je me ferai pas chier à les éplucher et tout. Et tu ne les mangeras pas dans le frigo, il faudra le temps de faire des sauces avec. J'ai également repris. On a acheté plein de patates, mais j'ai repris un paquet d'allumettes, ça dépanne toujours à la maison. Comme ça, ça me plaît, c'est mes préférés aussi, donc c'est un peu égoïste, mais voilà. Pour moi, je me suis repris des petits potatoes aux herbes comme ça le midi quand j'ai pas le temps de faire mon 4-5. Hop. 3 paquets de potatoes rigolos. Ça, ça part bien avec les enfants, mais aussi avec les gars. Ça, c'est plus pour les grands, mais 3 paquets de rostis. Donc ça, Paul adore ça, moi j'adore ça, Emilie adore ça, donc voilà. J'ai pris pour les grands qui sont le plus souvent à la maison. Et ensuite, du coup là, il y avait une super promo à Leclerc sur des gyoza aux légumes, qui sont vegan par défaut. Et ils étaient à 2 euros au lieu de 3 et quelques. Donc du coup, j'en ai pris 2 paquets. Et Emilie s'en est pris un paquet au poulet. Voilà. C'est bon pour congeler mon cœur, je t'en remercie. C'est bon, c'est rangé. Moi je vais les ranger si tu veux. Et du coup, j'ai repris des cubes. Alors j'ai repris des bouillons marmites comme ça aux légumes. Du cube or. Et également des bouillons légumes comme ça. J'aime bien avoir des goûts différents. Ça me permet de varier les bouillons quand on fait des pâtes, des yum yum, des choses comme ça. Désolée pour les snaps, c'est mon chat. Ensuite, j'ai repris 2 paquets de céréales. J'ai repris plein de fois, hein, je suis désolée. Des pétales chocolat comme ça et des cornflakes sucrés. Ça, j'adore ça, les enfants aussi. Au marché frais, j'ai pris du Meiti à la menthe. Ça fait très longtemps que j'en avais pas pris. Il était à 40 centimes la bouteille, donc je me suis dit pourquoi pas. Et là, à température ambiante, il est bien frais, donc bah, ça vaut la peine. Un pain de mie format familial. Doudou adore ça, j'adore ça. J'avais envie de sandwich et comme le Subway est toujours fermé, bah, je vais faire un sandwich à la maison. Voilà. J'ai repris 4 paquets de flocons d'avoine. Parce que du coup, je vous ai dit, Doudou fait le lait d'avoine à la maison. Donc j'en ai pris 4 comme ça. C'est les maxi formats de 800 grammes. J'ai repris 4 kg de farine. 2 kg de sucre. Parce qu'il nous reste encore une dizaine de kilos de farine. Du riz basmati. Ça, j'adore l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Vous savez, j'adore le riz. Je préfère le riz aux pâtes, moi, personnellement. J'ai appris de la levure chimique vainée comme ça, je la trouve en pot. Je sais pas si vous voyez bien, genre. Elle est très pratique, celle du mois dernier, il m'en reste encore à moitié, mais du coup, je me suis dit, j'allais reprendre au cas où. Voilà. Bon, les gars, si vous me connaissez, vous savez que les chips au vinaigre, c'est une réelle passion chez moi. Du coup, j'en ai repris 2 paquets. J'ai pris celles-ci qui sont très acides, très vinaigrées, mais j'aime bien. Et vous, j'ai plus d'aft, miam miam. Vu qu'il y a d'ailleurs le nouvel an asiatique et le nouvel an chinois, je crois exactement, il y a pas mal de choses de plats asiatiques. Ils mettent des trucs coréens, thaïlandais, vietnamiens, vraiment, ils mettent toute l'Asie à l'honneur. Du coup, bah, j'ai pris des lots comme ça, de pots de yum yum comme ça. Là, c'était légumes et sauce soja, ils sont très bons ceux-là. Et voilà, c'était par deux, donc j'ai pris 2 lots comme ça. Ça dépanne aussi quand moi j'ai la flemme ou quand on est avec Millie, qu'on on veut juste un truc chaud, on a la flemme. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais vous montrer un dernier sac et après je range. Nous, à la cave, en fait, je sais pas si vous savez, mais à la cave, on fait une réserve. Enfin, une réserve. En gros, on a des étagères pour pouvoir stocker un peu comme il y en a, ils ont un cellier ou quoi. Tout ce qui est pâtes, le condamné et tout, parce que sinon, dans la cuisine, ça déborde. Et là, en fait, on a vraiment vidé les stocks. Donc, je me suis permis de refaire un stock de pâtes monumental. Donc, j'ai racheté pas mal de spaghettis. J'ai repris du café comme ça, expresso plantation. J'ai pas pris le carton noir parce qu'il n'y avait pas le expresso. Donc j'ai pris celui-là. J'ai repris de l'ail semoule en poudre. Ça, c'est hyper pratique pour tout ce qui est mes recettes de fromage et tout. Et j'adore l'ail, donc voilà. Du lait de coco. Ça, c'est pareil. J'adore ça. Les sauces coco curry.
émincé végétal ou poulet si on mange du poulet et ananas. Ma vie, j'adore ça. J'ai pris du chocolat blanc comme ça, Eco Plus. Comme ça, en fait, je vais le faire fondre. Et on a des petits bâtons à sucette et les garçons ont fabriqué en fait avec des petits Smarties, des petites pépites et tout, décorer leurs propres sucettes. Après, on les met au congélateur. Ils ont une petite sucette en chocolat, ils adorent ça. Donc. Ensuite, pour les garçons, bon bah là non, du coup, vu qu'ils vont pas faire des bêtises, mais j'avais acheté ça, ils sont vegan. C'est les sucettes Look Look en forme de tétine. Du coup, c'est maman et tata qui en mangeront. Et oui, on a fait les courses ensemble. Ensuite, il y a le deuxième paquet de biscuits qui est par là. Là, j'étais trop contente. J'ai repris du blé. J'adore le blé, mais à chaque fois, ils le vendent en sachet. Et là, il y avait enfin en vrac comme ça. Donc, j'en ai repris deux paquets. Un pour le stock en bas et un pour en haut. Et ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé en plus. J'adore ça. Pareil, j'ai repris trois paquets de levure maltée. Si vous me suivez, vous savez qu'on en consomme pas mal. C'est très très bon. C'est un goût légèrement fromagé. Je m'en sers pour tout ce qui est mes fromages, mes sauces fromagères, mais également dans mes carbonara. Et les garçons s'en servent pour parsemer tous leurs plats. C'est-à-dire qu'ils vont mettre sur leurs omelettes autant qu'ils vont mettre sur leur riz, leurs pâtes. Les enfants, ils ont mis ça avec les frites. Enfin, vraiment une addiction. Mais en plus, c'est très bon pour la santé et pour les cheveux et tout. Donc, n'hésitez pas. Hop. Bon. J'ai appris deux tests de grossesse. J'aime bien toujours en avoir à la maison. Et d'un fois, j'ai une copine qui en avait besoin et j'en avais pas dans mon tiroir. Donc, je me suis dit que c'était pas normal. Donc, j'en ai toujours à la maison. Ça dépanne. Voilà. Je sais qu'il y a une date de péremption, mais en général, je finis toujours pas les parce qu'il y a toujours un moment. Je sais que je suis pas réglée, j'ai du retard dans mes règles et je panique. Sans aucune raison. Donc, pour éviter de paniquer, on fait un petit test, on est rassuré, tout va bien, voilà. Donc c'est bien d'en avoir à la maison. Ensuite, j'ai repris du ketchup Eco Plus comme ça. Celui-là il me tue, on dirait de la dinette. C'est vrai que l'Eco Plus il était plus sucré. Il est un peu plus sucré et j'ai vérifié, il n'y a pas grand chose en fait. Et le marque-pas n'est pas bon non plus. Ils disent allégé en sucre, en fait ils mettent plein d'édulcorants et de conservateurs en plus. Moi perso je m'en fous, j'en mange pas. Voilà, c'est les garçons et Paul qui en mangent. Donc voilà, de toute façon j'essaie de faire en sorte que les enfants n'en abusent pas. C'est surtout Paul qui mange du ketchup en fait. J'ai repris des petits chamallows comme ça. Not Guilty Sweet Revolution. Donc c'est les Marilyn Mallow, ils sont très très bons. Je vais essayer d'en faire fondre. Et j'ai des moules en silicone en forme de cœur. Et j'aimerais faire des petits cœurs au chocolat fourré à la guimauve pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je l'ai pas dit trop fort parce qu'il y a doudou de l'autre côté. J'ai acheté de la poudre d'amande pour faire des sablés ou des gâteaux. Des nouilles instantanées, j'en ai pris 6 paquets. Ils sont marqués goût poulet, mais il n'y a pas de poulet dedans. Donc voilà. Et de toute façon, les garçons n'utilisent pas le sachet. Ils préfèrent mettre un bouillon cube aux légumes. Et du coup, j'ai pris un deuxième riz basmati et un riz long. Voilà, pour faire du riz pilaf ou de la paella. Millie, elle a pris des Kit Kat Balls au chocolat blanc. Voilà. Il me reste 3-4 sacs à vous montrer. Il faut que je range tout ça et je reviens. Oui, attends, mon ours, j'arrive. J'ai fait, comme je vous dis, le stock de pâtes. Alors, en gros, il y a plusieurs paquets de torsades. Des coquillettes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de coquillettes, donc là, je m'en retrouve. Torsades, coquillettes. J'ai repris pour changer un peu de gros paquets de farfalle. Des macaronis pour faire des mac and cheese. Macaroni. Les macaronis c'est bien pour les gratins, c'est pour ça que j'en ai pris un peu plus. Un troisième paquet de coquillettes et encore des spaghettis. Au cas où vous ne savez pas, les spaghettis c'était les pâtes préférées de Doudou. Donc voilà. Non, ça se voit pas. Excusez-moi pour le bruit. Bref, ensuite j'ai pris très peu de conserves, mais j'ai repris des pois chiches, voilà, et un petit pois carotte pour vraiment dépanner. Ça, les garçons et Paul adorent ça. Et ensuite, j'ai repris 6 jus de fruits pour le matin, comme ça, les 4 agrumes. Vous savez, les enfants, c'est ce qu'ils préfèrent, il n'y a que de l'agrumes dedans, il n'y a pas de sucre. Et 3 paquets de 2 litres de jus de pomme, parce qu'ils adorent ça aussi, qu'il en reste un peu à la maison.
Thésée. Ensuite, Thésée, s'il te plaît. Thésée, tu sors de la cuisine. Hop, hop, hop. Excusez-moi, j'ai Thésée qui s'amuse à sauter sur les sacs pour faire du bruit. Ensuite, j'ai repris les cristaux de soude. Et ce coup-ci, j'ai pris la marque Saint-Marc. Ou Saint-Marc, selon comme vous dites, moi je dis Saint-Marc. En fait, parce qu'ils étaient beaucoup moins chers que les marques repères. Donc j'ai pris cela et ça c'est pour faire ma poudre à la vaisselle moi-même. Ah, ça manquait de coquillettes et de spaghettis. Je vous avais dit que j'ai fait le plein. A savoir que ça part assez vite et puis comme Millie elle a souvent à la maison et tout, bah on est un peu plus à manger même si elle achète des trucs pour manger à côté. Bah quand je fais des pâtes, je peux lui dire achète ton propre paquet de pâtes Millie. Non, ce serait débile. Comme on aime bien recevoir des gens, souvent il y a Belle, il y a mon chat, Brandon, enfin voilà. Et du coup, on les fait manger ces gens-là quand ils viennent manger à la maison. Donc du coup, bah, j'aime bien avoir toujours des pâtes, parfois des gratins, des pâtes en sauce, des choses comme ça. Truc simple, mais convivial, vous savez, genre pas prise de tête. Ensuite, vous connaissez sûrement l'amour de mes garçons pour le maïs. Donc j'ai repris 4 petites boîtes de maïs. Voilà, vous savez que nous, on en achète autant en été qu'en hiver parce que du coup, les garçons, ils adorent ça froid. Mais également, par exemple, avec des pâtes, je fais revenir les pâtes à la poêle avec un peu de sauce soja sucrée ou un peu de sirop d'érable et du maïs, par exemple, parce qu'ils aiment bien que c'est un peu sucré, ou même avec de la sauce soja salée. Ils adorent ça. Et je m'en sers aussi pour tout ce qui est mexicain. Donc voilà. Et j'ai repris également une petite boîte de betterave rouge en cube parce que Doudou et Thésée aiment bien manger ça. Donc voilà. Ah, mais il y a encore du frais ici. Des petits pains comme ça, il fait Chris Prolls pour pallier à ceux que Orphée m'a mangé le mois dernier. Attends. Les gâteaux abricots nectarines, je ne les ai pas goûté ceux-là, j'ai goûté les cerises et les mûres framboises qui étaient une tuerie qu'on a goûté avec ma maman et que même ma mère a aimé. Et là je sais pas, les pêches nectarines, les abricots nectarines me donnaient trop envie, souvent j'aimais bien les yaourts nectarines donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai également repris 3 paquets du coup de haché végétal, ça vous savez comme d'hab, lasagne, pâte bolo, tomates farcies, enfin légumes farcis en règle générale. C'est pas cher, enfin c'est pas cher comparé à d'autres simili, c'est pratique, c'est facile à cuisiner, donc pourquoi se priver. Du coup je me suis repris également une danette au chocolat, comme ça, noisette, que j'adore, j'ai hésité avec la coco, mais ils viennent de sortir la danette à la vanille au lait d'amande, comme ça. Donc j'étais obligée de prendre celle au lait d'amande vanille, parce que faut savoir qu'à la base moi j'étais plus danette vanille que chocolat. Alors que j'aime pas la vanille, hein, ça n'a aucun sens, mais voilà. Du coup, j'étais contente. Du coup, je vais la goûter sûrement avec Millie, on vous dira ce qu'on en pense dans les vlogs, hein, comme d'hab. D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, si vous nous suivez pas et que vous aimez ce retour de course et vous avez envie de voir ce qu'on en pensait de certains produits et tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous ça nous fait plaisir. Je sors des vidéos régulièrement, sauf comme là quand je suis fatiguée et que des fois j'ai quelques jours de retard. Mais promis, en règle générale, il y a 2 vidéos par semaine, parfois 3 quand je fais des vidéos bonus. On s'amuse, c'est convivial, c'est familial, voilà, tout le monde peut s'y retrouver, vraiment, genre, on vous montre la vraie vie. Donc rejoignez-nous les cupcakes. Bref, allez, on continue. Ensuite, on était au marché frais, enfin, c'est ce par quoi on a commencé d'ailleurs, et j'ai acheté pas mal de fruits et légumes, le principe du marché frais, en fait. Du coup, au Leclerc, j'ai repris des avocats, parce que c'était 1,59 les deux. Et j'en ai pris 2 mûres et 2 moins mûres. Et au Leclerc, à chaque fois, ils sont toujours bons. J'ai jamais de soucis. Et vous connaissez ma passion pour les avocats, je suppose. Si vous êtes sur la chaîne et que vous me connaissez, vous savez que les avocats, c'est ma vie. J'en ai même un tatoué sur la cheville pour vous dire à quel point j'aime ça. Du coup, j'étais obligée. Voilà. Enfin, non, j'étais pas obligée, mais j'avais très envie d'avocats. Je sais, c'est une catastrophe écologique, mais voilà. J'en ai pris 4. Comme ça fait 1 par semaine. C'est pas si excessif que ça. Au marché frais, il y a des promotions également. Et on a payé 3 mangues pour 99 centimes. On s'est dit qu'on allait les essayer. Il y a le noyau qui bouge un peu, je crois. Bref, on verra bien ce que ça donne. Si elles sont pas trop bonnes, je les couperai, je les mettrai au congélateur et je m'en servirai dans les smoothies pour pas les gâcher. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre? Ah oui. J'avais envie. Je sais que c'est pas la saison des tomates, patate, patata. Merci, chou. Mais j'ai repris des petites tomates cerises grappes comme ça. Parce que bah, quand j'ai envie de grignoter, maintenant j'essaie de grignoter ça, des bébés carottes et tout, plutôt que la merde. Il y avait un promo aussi pour 39 centimes, on avait des branches de céleri. Je me suis dit que ce serait cool pour mettre dans mon couscous et tout, donc voilà. J'ai repris des petites clémentines, elles sont vraiment petites.
Elles étaient pas chères. Les garçons adorent manger des petites clémentines. Donc je me suis dit, allons-y, soyons fous, prenons des clémentines. Voilà, hop, c'est déjà dans le panier à fruits. Également, j'ai repris des grosses tomates. Là, je sais que c'est toujours pas la saison, hein. Mais du coup, même grandes comme ça, j'arrive à les farcir un petit peu, c'est sympa. J'aime ça, j'adore ça, j'adore ça. Et aussi, vu que je fais des sandwichs, comme je dis, pour remplacer un peu le Subway ou faire des wraps et tout, j'aime bien avoir des tomates fraîches. Et des fois, quand elles s'abîment, je les mets dans des poêlées pour doudou. Et voilà. Ensuite, j'ai repris des pommes. Comme ça, c'était les moins chères. Et les garçons les aiment bien parce qu'elles ont un peu de rouge. Et comme ça, si elles s'abîment, je ferai des tartes aux pommes. J'ai repris également un truc que j'adore, je comprends toujours pas pourquoi ils les mettent dans des plastiques individuels ouverts, hein, plutôt que de rien mettre, mais un chou chinois. Alors voilà, il était à 1,99 pièces et celui-ci faisait le double de tous les autres, donc j'ai pris celui-ci, hein, parce que c'était à la pièce. Et du coup ça c'est très bon, émincé dans des poêlés avec du curry, oh là là, dans des soupes asiatiques, moi j'adore ça, ça se met un peu partout facilement, c'est assez neutre en goût, donc du coup c'est vachement cool. J'ai également repris un chou blanc, comme ça, pour faire de l'okonomiyaki, à mes souhaits, je sais. C'est de la galette de chou grillé, c'est japonais. Normalement, il y a du lard et de la mayonnaise et tout. Mais nous, on fait juste galette de chou, et c'est très très bon. Et également, tout simplement, faire des potées, des choses comme ça. On aime bien le chou, donc voilà. J'ai pris quoi d'autre? J'ai repris des oranges. Je me demandais pourquoi j'avais très envie d'oranges, donc je me suis pris 4 oranges sanguines. J'adore les oranges sanguines. Tac tac tac. Hop. Au lieu de faire, j'ai repris 2 gros paquets de biscottes comme ça. Chez nous, c'est jamais perdu. On adore ça. Les garçons mangent des biscottes nature pour le petit déjeuner ou le goûter. C'est ce qu'ils préfèrent. Des fois, on leur demande, tu veux quoi en dessert? Ils veulent une biscotte nature. Voilà, ils adorent les biscottes. Donc, j'en ai repris 2 paquets. Dans les fruits également, j'ai repris des bananes. Donc, ça, c'est cool. Des poivrons de jaune à rouge, ils étaient pas chers, c'était 99 centimes le kilo. J'ai repris un fruit de la passion, donc là il est pas mûr du tout, parce que le fruit de la passion il est mûr quand il est tout fripé. Là quand il est lisse comme ça il est pas mûr. Et mon astuce c'est d'attendre que ce soit mûr, de le couper en deux, de le mettre au congélateur par demi. Et quand j'en ai besoin je le décongèle juste ce que j'ai besoin. Voilà. Une tête d'ail, parce que j'adore l'ail, chez nous on en consomme pas mal, je pourrais en mettre partout moi. Quand il y a Millie, on en met moins parce qu'elle aime pas quand c'est trop aillé ou trop épicé. Mais moi, sinon, j'adore ça. J'aime me le mettre juste au four, en chemise, rôti, avec un peu d'huile d'olive et des tomates cerises au four. Ça, accompagné avec des spaghettis, une tuerie. J'ai repris 3 poires conférences également. Thésée adore les poires, Paul adore les poires. La dernière fois, j'en ai pris 2 pour moi. J'en ai mangé aucune. Donc là, j'en ai pris 3. J'ai également repris 5 courgettes. Les courgettes, c'est jamais perdu à la maison. J'avais dit, j'ai pris beaucoup de légumes congelés, mais la courgette, j'aime bien la prendre fraîche parce que je m'en coupe juste un bout au fur et à mesure que je me le fais. Et en général, je la fais comment? Avec du curry et de la sauce soja. Voilà. J'ai un petit problème avec les goûts asiatiques. Et le curry, c'est une de mes grosses passions dans la vie. Donc voilà. Dans la même lancée, elle a été trop mignonne. Je me suis pris une petite aubergine colorée comme ça pour la refaire au four avec de la sauce soja. J'avais bien aimé, alors que j'aime pas l'aubergine d'habitude. Donc c'est sympa, on peut la faire mariner aussi avec des épices un peu fumées pour faire un peu un bacon d'aubergine et c'est très bon. Millie avait envie d'un concombre pour ce soir. Bon, maintenant ils ont mis sous plastique, on sait pas pourquoi. Normalement j'ai vu de la pizza parfaite qui traînait, donc tu vas ramasser ta part de pizza qui a été parfaite et tu vas aller la pizza. Désolée. J'ai pris quoi d'autre? De la ciboulette que je vais mettre là un petit peu dans de l'eau parce qu'elle commence un petit peu à... Et... Demain, je la hacherai et la mettrai au congélateur. Ça, c'est ma petite technique. Comme ça, j'ai des herbes fraîches tout le long du mois. Et pour terminer ce retour de course interminable, boum! Des couches taille 6 pour Thésée et également 2 paquets de litière pour chat, 2 paquets de croquettes pour chat et 2 gros paquets de pommes de terre. Voilà, on a fait le tour, on s'en sort, les gars. Bon, mais j'espère que ce petit retour de course, ce petit gros retour de course vous aura plu. J'arrive, mon cœur. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous avec ma tête de fatiguée, zombifiée, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!